Ratanama Shatalaba. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Aïe. Telema ya safera delema. Degara no a tué telema. Sanoa kera dole barute bela deva. Sone kapara dele wetele maradia. Zepar de la wetele meradia talaba yadanaba. C'est ça le destiné, Seigneur éternel, que nous te présentons ce soir. C'est nos vies, ô Dieu de gloire, que nous te présentons ce soir. C'est nos finances, Père, que nous te présentons ce soir. C'est nos familles, ô Dieu, que nous te présentons ce soir. À tous ceux que rabaya d'alabaya, paraitre malade couché, retoua sa mela tout révèle à tout. Aïe, tous les délèmes, ouest sofa. Sa parade le roi te chama. Pare de courir maya talamaya. Fénérame la tour de l'émera de l'éveur. Tu es en train de prier, de réclamer ce qui t'est dû. Tu es en train de prier, de réclamer ce qui te revient de droit. Par de vision, tu as vu des choses. Par de prophétie, tu as reçu des choses. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Que le Seigneur puisse t'accorder à vivre selon sa bénédiction, à vivre selon ses promesses, à vivre selon ce qu'il a déclaré sur toi. Ratenemé radelebe ya soufara delema. Fixe ton esprit. Fixe ton esprit. Fixe ton esprit. Quel est ce trône que tu aimerais, que tu aimerais avoir ce soir? Quel est ce poste que tu aimerais avoir? Quel genre d'enfant tu aimerais avoir? Quel genre de mariage tu aimerais avoir? Quel genre de ministère tu aimerais avoir? Ce soir, ta couronne est en train de te diriger vers le trône de ta destinée. La couronne sur ta tête est en train de te diriger vers le trône. Ratame la teva à tous ceux mêlés de cache. Ratame alors, ça va rater la main. Bate roue à sa mêlée ou tes gâches. Répois à l'autre mêlée. A l'autre mêlée, Zopala de Koramela Teva, Rupa Ayatala Mayate, La Sofera Teleme Yature Bayata. A Yesu, Tela Bayada, Ratana Mayasayama, Rekayaba de Lebo Shatana Bayada Naba. C'est la gloire que je veux, c'est la puissance que je veux, c'est le million que je veux, c'est m'asseoir au milieu des grands que je veux. Ce soir, je suis en train de retrouver mon trône. Ce soir, la couronne de gloire. Mais on la repasse. Alors c'est la te cache. Aïe 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 aïe. Retana maya sofete lebe. Tu es en train de préparer ton esprit à recevoir une parole de grâce. Tu es en train de préparer ton esprit à recevoir une parole qui va t'étonner. Une vitesse plus que le char d'Akab ce soir. Et parle de l'Emeratéka. Yepo. Hola baradada basha. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Le verset 9. Kola baradada basha. Rakatule meradeva wasumelete. 1 Pierre 2. Le verset 9, la Bible déclare. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Parole de l'Éternel. On peut se rasseoir. Merci.
Je dis merci au Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il m'accorde de me tenir du haut de cette chair afin de parler de sa part. Je tiens aussi à dire merci à mes parents spirituels, Papa Paulin, Maman Patty, de là où vous êtes, Papa, Maman, nous vous aimons beaucoup et nous vous disons merci pour cette marque de confiance. Je crois que le Seigneur, le Dieu de votre appel, il va nous rendre utiles ce soir. Je ne peux pas commencer ça pour autant dire merci à l'administration, à Maman Chantal et à Papa Carlos. Je dis merci pour la marque de confiance, Maman. Nous vous aimons beaucoup. Et merci pour ce que vous êtes pour nous. Chaque jour, des conseils. Vous avez toujours été là pour moi, personnellement. Je vous aime beaucoup. Merci. Je dis merci à tout un chacun. Merci à vous qui êtes là. Et je crois que le Seigneur Dieu, au devant de qui vous êtes présenté ce soir, il va vous parler et il va vous faire du bien. Alléluia. Nous sommes dans l'art de gouverner. Je tiens à bénir le Seigneur pour ceux qui ont pressé avant moi, notre Père qui a posé les bases comme un sage architecte, et dire aussi merci pour l'enseignement reçu par le berger Aaron et le berger John. Et je crois que ce soir, le Seigneur va aussi passer par nous afin d'édifier une personne. L'art de gouverner. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, il est écrit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé. Qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et je crois qu'après ce soir, le Seigneur va déposer une parole de grâce qui ne sera pas seulement une bénédiction pour toi, mais aussi une parole de grâce pour tous ceux qui auront la grâce de t'entendre dans les jours prochains. Alléluia. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce soir, le Seigneur va te faire grâce d'écouter une parole qui va te bénir. Mais cette parole, ça va aussi te donner la capacité d'impacter les autres, de part des choses que tu auras comprises ce soir et reçues dans ces cultes. Alléluia. Alléluia. Dans l'art de gouverner, nous devons savoir une chose, que dans l'art de gouverner, avant de gouverner, parce qu'ici, j'ai pris ce texte de 1 Pierre 2:9, parce qu'ici, on parle de nous. On parle de tous ceux que Christ a sauvés, tous ceux qui ont cru en Jésus. Et ici, on parle d'une race élue et d'un sacerdoce royal. D'autant plus que la Bible nous dit que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Mais ne peut gouverner, ne peut diriger que celui qui est assis sur un trône. Alléluia. Ne peut diriger, ne peut donner les ordres que celui qui est assis sur un trône. Je vais aller rapidement parce que nous devons prier. C'est ainsi que je dis que tout trône a un héritage
spirituel et moral. Tout trône que nous devons hériter ou sur lequel nous devons nous asseoir a un héritage spirituel et moral. Et moral plutôt. Lorsque vous lisez un Chronique 28, le verset 9, la Bible déclare, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Avant que Salomon puisse accéder au trône, son père le roi David prend d'abord le soin de présenter à Salomon des choses qui ont fait sa force et qui l'ont maintenu sur le trône. Et ces choses, c'était de connaître l'Éternel et de lui servir avec un cœur dévoué. Alléluia. C'est-à-dire, tout celui qui a les yeux sur un trône doit savoir et doit avoir une pensée dans sa tête que tout trône a un héritage spirituel et moral. C'est-à-dire, si tu n'as pas compris cet héritage-là, tu auras aussi du mal à accéder au trône. Tu auras du mal à jouir longtemps de ce trône-là. Alléluia. Je disais, premièrement, que tout trône a un héritage spirituel et moral selon 1 Chronique 28, le verset 9. Deuxièmement, je dis que tout trône accorde la souveraineté à celui qui siège. Alléluia. Tout trône accorde la souveraineté à celui qui siège. Si tu n'as pas un trône, tu auras du mal à prendre n'importe quelle décision. Et tous ceux qui seront devant de toi, ce n'est pas tout le monde qui vont te laisser le libre choix de dire ce que tu as envie de dire et de faire ce que tu as envie de faire. Mais lorsque tu montes sur le trône donne à celui qui siège la souveraineté, c'est-à-dire le droit de faire tout. Alléluia. Le droit d'être au-dessus de tout. Alléluia. Et ce deuxième point, c'est selon 1 Chronique, le chapitre 29, 11 à 12. Troisièmement, nous devons savoir que tout celui qui a besoin de diriger, tout celui qui aspire à monter sur un trône doit connaître une chose, c'est que tout trône attire, tout trône tire son efficacité de par le type de cerveau qui l'entoure. Tout trône tire son efficacité de par le type de cerveau qui l'entoure. Parlant de cerveau, je parle de personnes, je parle des alliés, je parle de ces personnes qui entourent celui qui dirige. C'est-à-dire, si tu veux jouir et être efficace sur ton trône, tu dois être bien entouré. C'est ainsi que, autour du trône de David, il n'y avait pas seulement de prophètes, il n'y avait pas seulement de guerriers, mais il y avait aussi des gens comme des Achitophel. Des gens qui avaient la capacité de conseiller au roi, d'amener le roi à prendre de bonnes décisions. Alléluia. C'est-à-dire, tout trône tire son efficacité de par les types de cerveau qui l'entourent. Je parlais d'Absalom, c'est dans 2 Samuel 16, le verset 23. Tout trône tire son efficacité de par les types de cerveau qui l'entourent. Si tu es mal entouré, un roi mal entouré finira certainement à quitter son trône, à perdre son trône.
C'est ce qui est arrivé au fils de Salomon, Roboam. Il était mal entouré. Alors que son père était entouré des anciens, lorsque lui il prend le pouvoir, Roboam prend la décision de ne pas écouter les anciens, mais plutôt d'écouter les jeunes. Et il a fini par le payer cher parce que il a perdu une très grande partie du royaume et il est resté qu'avec des tribus. C'est-à-dire, si tu as besoin de durer sur un trône, si tu as besoin de maximiser dans ton domaine, si tu as besoin de faire des choses au-delà de toute mesure, tu dois apprendre à bien t'entourer. Alléluia. Tu peux vouloir avoir la bonne raison, avoir une bonne pensée, avoir cette bonne pensée te disant que je vais gouverner pendant telle et telle autre année. Je vais gouverner pendant 10 ans, 50 ans, 60 ans. Mais si tu ne tires pas attention par rapport à ces choses, tu auras du mal à prendre le dessus. Tu auras du mal à vivre ces choses. Tu auras du mal à gérer ton trône. Tu auras du mal à te maintenir sur le trône. Nous devons savoir que dans l'art de gouverner, tout celui qui aspire à un trône, qui aspire à diriger dans un domaine, il doit savoir une chose, que tout trône, sa masse de richesses dépend de l'illumination spirituelle de celui qui siège. Tout trône, sa masse de richesses dépend de l'illumination spirituelle de celui qui est déçu. Je suis dans Genèse 30, 37 à 40. C'est l'histoire du père Jacob et de Laban. Alors que Laban veut escroquer l'homme de Dieu, nous voyons le Seigneur illuminer l'esprit de Jacob. Et Jacob prendre une décision de travailler ce que les animaux étaient en train de boire, prendre le branche de platane et de le mettre dans les auges. Et après, lorsque les animaux allaient boire, ils buvaient. Quand il s'agissait de se reproduire, ce que Jacob avait fait par l'illumination spirituelle faisait de sorte que les animaux qui sortaient étaient achetés et marketés. Et nous avons vu Jacob qui devait normalement, selon la ruse de Laban, sortir la main bredouille ou pauvre. Mais par l'illumination spirituelle, Jacob est sorti là avec beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia. Tout trône sa masse de richesses dépend l'illumination spirituelle de celui qui siège. Dans l'art de gouverner, nous devons savoir une chose. Pour tout celui qui aspire à gouverner, à être efficace sur son trône, à être efficace dans sa génération, nous devons savoir une chose, que tout trône inspire la confiance et impose le respect de par la bataille remportée par celui qui siège. C'est-à-dire, tout celui qui est sur le trône sera craint, respecté, dépend le type de victoire qu'il aura remporté. C'est-à-dire,
Si tu veux garder longtemps ton trône, si tu veux être efficace sur ton trône, si tu veux être puissant sur ton trône, si tu ne veux pas être martelé, si tu ne veux pas être dominé par les autres, tu dois savoir une chose, que la crainte et le respect des gens dépendra le type de victoire que tu as eu à remporter. Alléluia. Alléluia. Dépendra des types de victoire que tu auras remporté. Lorsque vous lisez la Bible dans Psaume 10, dans Psaume 24, le verset 10, commençant au verset 9 jusqu'au verset 10, c'est la conversation du héros et de l'homme qui était à la porte. Celui qui est à la porte refuse que le roi de gloire puisse faire son entrée. Mais lorsque le héros, lorsque cette personne qui était à la porte pose la question au héros, qui est ce roi de gloire? La Bible déclare que la réponse du héros était: l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'est-à-dire ici, on devait présenter une identité qui imposait la crainte et le respect. Alléluia. Ici, le héros devait présenter l'identité de l'Éternel, qu'il n'était pas seulement l'Éternel de gloire, mais qu'il était aussi l'Éternel des armées. Alléluia. C'est-à-dire, ton trône sera respecté, ton trône sera craint, de par les types de victoires, de par les types d'expériences que tu as eues dans la vie. Alléluia. Alléluia. Si tu veux être efficace, si tu veux que ton trône, si tu veux que dans ta façon de gouverner, que tu puisses imposer l'autorité, tu dois apprendre à livrer des batailles et à remporter ces batailles-là. Alléluia. C'est ainsi que lorsque les gens étaient en face de David, ils étaient conscients qu'ils n'étaient pas en face de n'importe qui. Ils étaient très conscients que le roi au-devant de qui nous sommes, c'est un roi qui a eu à terrasser même des géants. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui faisait la force du trône de David. Des autres que personne d'autre, si ce n'est celui qui avait son sang, n'avait la capacité de venir et de l'enlever de son trône. Fallait être du sang de David pour l'enlever de là. Je parle d'Absalom. C'est-à-dire, les types de batailles et de victoires que tu as remportées donnera de l'authenticité, le poids, le pouvoir, la crainte à ton trône et fera de sorte que ton trône sera respecté. Ta façon de gouverner, ta façon d'imposer l'autorité sera reçue avec crainte. Alléluia. Et je crois que ce soir, le Seigneur va déposer quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une personne. Et tu seras respecté et craint par-dessus tout. Alléluia. C'est lui qui veut gouverner efficacement. Dans l'art de gouverner, il doit savoir qu'il faut éviter, que le trône précède la couronne. Je crois que c'est ici que je veux prendre le zèle. Dans l'art de gouverner, celui qui veut gouverner efficacement et marquer sa génération doit savoir une chose, doit éviter une chose, que son trône précède sa couronne. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, que les gens qui se sont précipités à occuper un trône sans pour autant voir la couronne n'ont pas traîné sur le trône. Dans l'art de gouverner,
Si le trône précède la couronne, le roi qui est sur le trône ne fera pas long feu. Parlons ici de la couronne. Je suis en train de parler de la main de Dieu. Je suis en train de parler de la puissance de Dieu. Je suis en train de parler de l'onction de Dieu. Je suis en train de parler de capacité divine sur la tête et la vie d'une personne. Si tu occupes un trône sans pour autant voir une couronne qui est synchronisée à ce trône-là, tu ne vas pas faire long feu. Lorsque vous regardez la vie d'Absalom, Absalom s'est précipité à voir le trône sans pour autant voir la couronne. Ici, parlant de la couronne, je disais que je suis en train de parler de l'onction, de l'huile de Dieu, du choix de Dieu sur la vie d'une personne. C'est lui qui n'a pas reçu l'huile qui donne accès au trône ne fera pas long feu sur le trône. C'est ainsi que lorsque Absalom, malgré sa ruse, s'est mis même à poursuivre son père pour le tuer, c'était difficile, quasi impossible, parce que sur sa tête, spirituellement, il n'y avait pas de couronne. Si on avait fabriqué pour lui une couronne physique, ça c'est possible. Certainement, il avait été élu roi, donc il y avait une couronne physique sur sa tête. Or, ce qui donne la longévité au trône dans la maison de Jacob, ce n'est pas la couronne physique, mais c'est la couronne spirituelle que tu as reçue de la part de l'Éternel. C'est ainsi que les hommes peuvent avoir, peuvent être méchants, peuvent être rusés, visant la chaîne sur laquelle tu t'es mise, mais oubliant ce qui est sur ta tête. Je suis en train de parler de la grâce et de la faveur de l'Éternel sur la vie d'une personne. La couronne, c'est cette grâce-là que tu as reçue de l'Éternel. C'est cette capacité, c'est cette onction-là, c'est cette habileté-là. C'est ce qui t'a donné accès à cette place que tu as, que tu occupes. La couronne, c'est l'intelligence que le Seigneur a placée sur sa tête. La couronne, c'est les habiletés que le Seigneur a posées sur ta vie. La couronne, c'est l'onction reçue. Et cette onction reçue, c'est ce qui te donne accès à ton trône. Alors que Absalom visait le trône, mais ne sachant pas qu'avant d'accéder au trône, il faut d'abord reçu la couronne par Samuel pour avoir le trône et la longévité sur le trône. Ceux qui sont en train d'attaquer ton travail, ils attaquent un trône physique, ils attaquent le trône, mais ils oublient la couronne qui est sur ta tête. Ceux qui sont en train d'attaquer ton mariage, ils oublient une chose, que ce qui fait que ton mari ait le cœur penché gravement vers toi, ce n'est pas d'avoir ta beauté physique, ce n'est pas ton éloquence, mais c'est la grâce que le Seigneur a déposée sur ta tête. Ceux qui sont en train d'attaquer ton travail n'ont pas compris que ce qui fait la force de ton intelligence, ce ne sont pas les papiers remplis de l'université, mais c'est d'abord cette grâce spirituelle que le Seigneur a déposée sur ta tête, capable de donner des solutions aux problèmes compliqués. Le problème, c'est la couronne, ce n'est pas le trône. Dans l'art de gouverner, tu dois apprendre à
ne pas faire précéder le trône avant la couronne. Avant de posséder quelque chose, avant d'entrer dans quelque chose, tu dois te rassurer d'avoir reçu l'huile de l'Éternel pour entrer, posséder la chose et dominer dans ce domaine-là. Ma prière élevée de mon cœur est que ce soir, que le Seigneur commence à faire briller toute la couronne sur ta tête. Si c'est une capacité, si c'est une grâce, si c'est une faveur, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant commence à faire briller ta couronne, capable de t'attirer ton trône et de t'amener à gouverner et à t'imposer au milieu de ta génération. La couronne doit précéder le trône. La couronne précède d'abord le trône. Esther n'avait pas le trône. Et parmi les filles qui étaient présentes là, certainement il y avait des filles, pasteur, mieux positionnées qu'elles. Mais il se fait que lorsque l'ennemi du roi pose les yeux sur Esther, il remarque quelque chose d'autre qui attire son regard, qui fait pencher son cœur en faveur d'Esther. Ça, c'est une couronne. La couronne, c'est cette grâce, cette faveur qui fera de sorte que Égaï puisse te donner des meilleures stratégies pour conquérir le cœur du roi. Ma prière élevée de mon cœur est que ta couronne soit remarquée partout où tu vas fouler la plante de tes pieds. Même si les hommes sont mal intentionnés, même s'ils veulent agir par la ruse, je prie et je demande à Dieu que ta couronne puisse tellement briller qu'elle puisse attirer les regards des hommes mieux placés de cette boîte-là, des hommes mieux placés dans ton domaine, au nom du puissant de Jésus. La couronne doit précéder le trône. David était là. Berger qu'il était. Mais parce que la couronne sur sa tête était tellement en train de chauffer. Parce que déjà il y avait une couronne que le Seigneur avait déjà ôtée de la tête de Saül. Saül physiquement, il vivait sur le trône. Mais spirituellement, son trône n'avait plus de couronne. C'est comme des gens dans cette salle. Physiquement, vous êtes sur le trône. Vous êtes dans des endroits stratégiques. Mais vous vous rendez compte, vous n'arrivez pas à jouir réellement de ces postes-là. Vous êtes en train de ressembler aux Saül qui sont sur le trône, mais qui n'ont plus de paix. Qui sont sur le trône, mais qui n'ont plus la grâce de l'Éternel sur leur vie. Mais alors que David était en bourse avec une couronne spirituelle, lorsqu'il est descendu au milieu de ceux qui s'appelaient des guerriers, la couronne de David a changé la perception de ceux qui les regardaient. Avant qu'ils puissent se mettre sur le champ de la bataille, ceux qui l'ont regardé, voire même ses propres frères, l'ont méprisé. Mais lorsqu'il descend sur le champ de la bataille, la couronne de David se fait remarquer. De sorte que les filles et les femmes d'Israël ne peuvent pas rester indifférentes. Parce que la couronne de David de ces jours-là se fait remarquer. Parce que la tête du géant a été coupée. Il y avait un roi sur le trône. Mais tout Israël, et même le roi lui-même sur le trône, savait que la couronne n'est plus sur Saül. La couronne
sur David. Ma prière élevée de mon cœur est que ta couronne soit remarquée. Que le Seigneur crée des occasions. Qu'il sera de sorte que ta couronne soit remarquée de tes chefs, soit remarquée de tes frères, soit remarquée de ceux qui t'entourent. Au nom tout puissant de Jésus. Que le Seigneur fasse remarquer ta couronne. Nous devons savoir une chose. Que dans l'art de gouverner, le trône cherche la couronne et non le contraire. Tous ceux qui se sont précipités à chercher le trône l'ont perdu. Tous ceux qui se sont précipités à chercher le trône l'ont perdu. J'ai donné l'exemple d'Absalom. Je donne aussi l'exemple de Saül qui cherchait à maintenir son trône alors qu'il n'avait plus de couronne. Mais celui qui a reçu la couronne, le Seigneur fera de sorte que sa couronne puisse rejoindre le trône. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph est couronné spirituellement, mais il se fait qu'il n'a pas encore des trônes. Il n'a pas encore un siège où il peut diriger et commander. Tellement que la lumière de son trône brillait tellement fort qu'elle ne pouvait pas être contenue et maintenue dans la maison de Jacob. Cette lumière devait s'étendre parce qu'il était appelé à aller au-delà de la muraille. La couronne sur la tête de Joseph a fait de sorte que le Seigneur commence à aligner des situations pour l'amener à retrouver son trône. Le trône de Joseph a commencé à le chercher de toutes les manières pour que Joseph puisse s'asseoir et diriger en Égypte. Alors qu'il croyait qu'il allait demeurer dans la maison de son père et diriger là selon la prophétie reçue, il s'est fait que le Seigneur commence à aligner des scénarios, à aligner des situations pour que Joseph retrouve la place qu'il occupe spirituellement. Ça a commencé avec ses frères. Dans l'esprit prophétique, ses frères ont ras-le-bol et se disent qu'on doit en finir avec lui. Ils se mettent à manigancer des choses, à se concerter pour mettre fin à la vie de Joseph. Mais il ne doit pas mourir, il doit vivre. Le trône était en train de crier le nom de Joseph. De sorte que ses frères ont changé d'avis. Et se sont dit, non, non, vendons-le. Ça a commencé d'abord, on le jette dans la citerne. Parce que la lumière de Joseph, la lumière de sa couronne,
ne pouvait pas être contenu au milieu de ses frères. Le trône de David l'a amené jusque dans les mains de ceux qui vendent des esclaves. Lorsqu'il arrive là, le trône de David le réclame encore. Il se retrouve vendu, le trône de Joseph plutôt, il se retrouve vendu entre les mains de Potiphar. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, il commence à diriger. Il se démarque par sa façon de faire les choses. Et Potiphar comprend que sur ce jeune homme, il y a une grâce très particulière. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui donner un trône. Parce que j'ai remarqué une couronne sur sa tête. Et que tout ce qu'il est en train de toucher est en train de prospérer. Alors que le trône sur le trône dans la maison de Potiphar n'est pas le trône que Joseph est appelé à avoir. Non. Il y a un trône plus glorieux que ça. Je disais à quelqu'un, il y a un trône plus glorieux que ça. Il se fait que la grâce sur ta vie, tes capacités et tes habiletés t'amènent dans des situations où toi-même tu te rends compte, je parle des situations compliquées en situations compliquées. Et des fois j'ai l'impression de m'en sortir, mais après un moment, il y a une chute libre. C'est parce que ce n'est pas le trône que tu dois occuper. C'est parce que ce n'est pas là le lieu où tu dois gouverner. C'est parce que ce n'est pas là le lieu où tu dois imposer ton autorité. Il se fait que la couronne sur la tête de Joseph brille tellement fort que le trône de Joseph dans la maison, dans le palais de Pharaon est en train de le réclamer. Mais on ne peut pas avoir accès au palais de Pharaon si on ne passe pas en prison. Au lieu que la couronne et le trône l'attirent directement dans la maison de Pharaon, ça l'attire d'abord en prison. Là, tu as l'impression que les choses se compliquent. Alors qu'on est en train de prêcher sur l'art de gouverner, alors que tu es en train de prier, demandant à Dieu de te donner la capacité de t'imposer dans ta génération, de faire briller tes capacités, tes potentiels. Mais tu as l'impression que plus tu pries, plus tu es en train de t'enfoncer. Tu as l'impression que plus tu es en train de bâtir des hôtels, plus tu es en train de t'enfoncer. Ça, c'est la prison. Là, tu as l'impression que les choses vont en s'empirant. Là, tu as l'impression que les choses ne vont pas s'arranger. Là, tu as l'impression que finalement, je ne vais pas diriger mes frères. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est pour tout ça, on ne peut pas rencontrer ceux qui sont près du roi. Alléluia. Chez Potiphar, on rencontre les soldats. Chez Potiphar, on rencontre les hommes d'affaires. Mais les hommes politiques, on ne les rencontre pas chez Potiphar. Alors qu'est-ce que le trône de David dans la maison des Pharaons fait? Puisque c'est lui qui doit m'occuper, doit me rejoindre plus tôt. Il y a des gens qui doivent lui donner accès facilement là où je suis. Mais ces gens-là ne sont pas n'importe où. Ce sont des personnes qui ont la capacité et toujours l'habitude d'écouter souvent le roi. C'est les chansons et le panetier. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as l'impression peut-être que dans cette situation-là, le diable est en train de t'accabler pour faire de toi n'importe quoi. J'aimerais te dire que notre Dieu est le Dieu qui utilise la politique de l'infiltration en fait de te donner accès à ton trône. Ma prière élevée de mon cœur est que toute prison qui semble être un lieu de blocage soit changée à un lieu d'ascension au nom de Jésus. Je suis en train de bénir quelqu'un.
Je suis en train de dire à Élie ce soir que ce qui a l'impression d'être une prison, que le Seigneur le transforme en un lieu d'ascension, un lieu d'opportunité, un lieu où tu vas être en contact avec les hommes d'affaires. Ce que j'aime avec la prison, dans la prison on rencontre des gens qui ont eu à voler. Dans la prison, on rencontre des gens qui ont eu à tuer. Dans la prison, on rencontre des gens qui maîtrisent le coin stratégique du pays. Chez Potiphar, tu ne rencontreras pas les bandits. Chez Potiphar, tu ne peux pas rencontrer les hommes qui maîtrisent le coin et le trou dans lequel les hommes peuvent voler les marchandises, faire de l'import et export frauduleusement. Mais il faut que le Seigneur t'amène dans la prison. Là, tu vas rencontrer des hommes qui vont te dire, si moi je suis ici, c'est parce que j'avais fait ça. C'est pas parce que j'avais fait ça. C'est parce que j'avais fait ça que je me suis retrouvé ici. C'est pourquoi, pour que lorsque tu seras dirigeant, que tu saches comment déjouer leur jeu. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où le Seigneur t'a amené, c'est pour que tu puisses comprendre les enjeux. Afin que lorsque tu seras sur ton trône, que tu puisses diriger sans pour autant que tu sois troublé. Ma prière élevée de mon cœur est que le roi de gloire puisse t'amener à rencontrer les hommes providentiels. Même dans les endroits bizarres, même dans les endroits hostiles, que le Seigneur t'amène à rencontrer les femmes de la destinée, les hommes de la destinée, les hommes qui vont tenir ce qu'il faut faire pour que tu puisses rebondir dans la vie. Dans la prison, là tu rencontreras les gens qui maîtrisent mieux l'Égypte que Pharaon. Qui maîtrisent mieux l'Égypte que les douaniers de Pharaon. Qui savent où entrer et où sortir pour que la marchandise ne soit pas vue ni reconnue. Mais parce que le Seigneur va te donner une place où tu dois tellement convaincre le roi. Dieu te place dans des situations compliquées. Mais dans ces situations compliquées-là, il y a une femme qui venait de divorcer. Alors que toi, tu es sur le plan de divorcer, elle te dira non. Moi, j'ai agi ainsi et je me suis retrouvé ici. Si tu veux déjouer les divorces, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu vas te retrouver dans des situations bizarres. Et dans ces situations bizarres-là, tu vas voir quelqu'un qui te dira, investis dans telle chose. Si tu investis ici, tu vas perdre. Et le Seigneur fera de sorte que lorsque tu vas prendre ton argent et investir, tu auras les dessus. Ma prière élevée de mon cœur est que dans cet art de gouverner, que le Seigneur te donne les hommes providentiels de la saison. Les hommes qui te diront quoi faire. Les hommes qui te diront où entrer. Les hommes qui te diront qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses entrer et te maintenir dans une saison glorieuse. Jésus. Dans l'art de gouverner. Si une personne veut occuper le trône, on se rassure d'abord par les anciens de lui avoir donné des préceptes royaux. Et pour ce soir, j'ai 4 préceptes royaux qui te donneront accès à ton trône et vont fixer ton trône pour que tu puisses rester là longtemps. Kolabaradi abahasetelem. Halaro de mahasutele karu de vas. Rata la bakoro de le mehasute le vahasia. Kola barada la bashata la bayazia matalaba. Rakalote le meradikalu se veradu le vas. Rakatola maradia barade vahasute le meradia madala. Rapla sofara de la mahasute le veradia madala.
Je suis en train de prier ainsi parce que je sens que tu veux accéder maintenant à ton trône. Je suis en train de préparer l'esprit parce que je sens que tu veux maintenant accéder à ton trône. Je suis en train d'exciter ton esprit parce que maintenant tu veux accéder à ton trône. Écoute une chose, voici le premier précepte royal que je te donne. Si tu veux prier et dominer, diriger et gouverner efficacement, il faut être une lumière influente. Si tu veux prier, dominer, gouverner, imposer ton autorité, tu dois être une lumière influente. C'est ainsi que c'était quasi impossible de contenir et de maîtriser Joseph. Parce que sa lumière était tellement influente que même Jacob n'a pas pu le maintenir. Même la maison de Jacob n'a pas pu conserver la lumière. La lumière de Joseph. Lorsque vous lisez Actes 1, les versets 18, c'est là que nous comprenons l'identité spirituelle de la personne de Joseph. Si le Seigneur a donné à Jacob l'identité du feu, à Joseph on a donné l'identité de la flamme. Mais ce que je sais, que le feu tôt ou tard finira par s'éteindre. Mais la flamme contenue peut rallumer le feu éteint. Alors que dans la maison de Pharaon, la Bible déclare que ces jours-là, le roi soleil n'a pas eu le sommeil. Lui qui était illuminé, lui qui travaillait avec les astres, ces jours-là, il a été frappé par les ténèbres. Il a reçu une vision qu'il n'a pas compris. Il avait besoin d'une flamme dans sa juridiction pour que le roi soleil puisse de nouveau briller sur tout le monde. Quelle est cette flamme passée en doxa qui peut rallumer le soleil? Quelle est cette flamme qui peut redonner de la vigueur au soleil? Je te réponds, c'est Joseph. Joseph a la capacité d'allumer tous les bois qu'il rencontre. Et il a la capacité de rallumer tout feu éteint. Je suis en train de prier et de demander au Seigneur que le Seigneur te donne la grâce de Joseph. D'être une flamme influente, d'être une lumière influente, capable d'impacter et de restaurer la vie des gens. Je suis en train de prier et de déclarer sur ta vie que le Seigneur, en cette saison où nous sommes en train de parler de l'art de gouverner, le Seigneur te donne la capacité de prier de mille feux et que tu vous êtes imposé au milieu de ta génération. Ma prière est levée de mon cœur et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse à remarquer ta flamme et ta lumière. C'est que je sais une chose, la Bible déclare, il n'y a aucune lampe qu'on peut allumer et mettre sous les poissons. Une lumière est appelée à être en dessous afin d'éclairer toutes choses. Je suis au-devant de vous ce soir. Je suis au-dessus parce que mon Père m'a donné aujourd'hui la capacité de vous éclairer ce soir par la parole. Ma prière est levée de mon cœur par cette lumière. Je viens éclairer ta destinée. Je viens éclairer ton mariage. Je viens éclairer ton couple. Je viens éclairer ta vie. Je viens éclairer ton mariage. Je viens éclairer ta destinée. Au nom tout puissant de Jésus. Dans l'art de gouverner, il faut être une lumière influente. Une lumière influente, c'est l'apôtre Paul.
qui a la capacité de gagner à Jérusalem et même en Asie. C'est lui qui a la capacité de faire briller la lumière du royaume et à Israël, même en dehors d'Israël. Je suis en train de prier et demander au Seigneur. La Bible déclare, Joseph, mon fils, est un arbre fertile dont les branches vont au-delà de la muraille. Je suis en train de prier que ta lumière va au-delà de la muraille. Que ta façon de gouverner va au-delà de la muraille. Que les hommes viennent chercher conseil. Que les hommes viennent chercher refuge. Que les hommes viennent chercher impactation. Parce que ta lumière est une lumière influente. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Le Seigneur ce soir, il m'a donné le mandat de faire briller une destinée. Ma prière sur l'option et l'alliance de mon Père. Je suis en train de la déconcevoir la de la main. Je suis en train de faire briller ta vie. Je suis en train de faire briller tes affaires. Je suis en train de faire briller ton appel. Je suis en train de faire briller tout ce qui est de toi. Talent de gouverner. Il faut être une lumière influente pour dominer et imposer son autorité. Voilà la dadaba chatalaba. N'aura pas de lance. Ce que j'aime est que Joseph n'est pas n'importe quelle lumière. Parce que dans la vie, il y a des lumières qu'on appelle. Il y a une lumière qu'on appelle la lumière générale. La lumière générale, c'est cette lumière qui peut éclairer cette pièce. Mais il y a aussi une lumière qu'on appelle la lumière d'accentuation. C'est cette lumière qui est ici. Cette lumière met en valeur un objet. Cette lumière met en valeur une zone. Ma prière élevée de mon cœur et que toi qui es passé inaperçu parce que tu as été éclairé par la lumière générale et que la lumière d'accentuation soit plaquée sur ta vie ce soir afin que ton potentiel soit remarqué, accepté et qu'on puisse te donner accès au trône dont tu es. La radio qu'on soit élevé, détenteur spirituellement. Je suis en train de prier. Je demande au Seigneur que la lumière d'accentuation, que tes grâces à Joseph, capable de faire prier n'importe qui, puisse prier sur ta vie, puisse éclairer ta destinée, puisse éclairer ton ministère, puisse éclairer ton mariage, puisse éclairer ta famille, au nom tout puissant de Jésus. La lumière d'accentuation. Lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Potiphar comprend une chose. Qu'il y a des choses qui se sont accentuées ici. C'est une lumière exponentielle. Lorsqu'elle arrive dans la vie d'une personne, elle te donne des choses à l'exponentiel. Ma prière élevée de mon cœur est que le Dieu du débordement, dans ce culte où nous sommes en train de parler, de gouverner, que le Seigneur te donne des choses, à t'acquérir des choses qui vont te donner le pouvoir matériel pour que les hommes puissent témoigner que le Seigneur, il est celui qui enrichit, il est celui qui bénit, il est celui qui impose. Mais tu ne peux pas être aussi efficace que ça si tu n'as qu'une main. Deuxième chose, si tu veux gouverner efficacement, tu dois avoir deux mains. Tu dois avoir deux mains. Si tu veux gouverner efficacement, tu dois avoir deux mains.
Joseph a gouverné avec une main. C'est ainsi qu'après un moment, ce qu'il avait fait avec cette main a été oublié. Ne me lapide pas. Donne-moi juste quelques secondes. Si tu veux gouverner et laisser les traces, même après ta mort, apprends à gouverner avec les deux mains. Joseph a gouverné avec une main. Après, un pharaon a oublié ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que j'appelle les deux mains? C'est l'homme Proverbe 3, le verset 16. La Bible déclare: dans la main gauche de l'Éternel, il y a la gloire et la richesse. Et c'est cette main-là que Joseph a utilisée. Lorsque Joseph travaille dans la maison de Pharaon, il a utilisé qu'une main, la gauche de l'Éternel, là où il y avait la gloire, là où il y avait la richesse. C'est ainsi que Pharaon, Potiphar d'abord, s'est retrouvé enrichi. Lorsque Joseph arrive dans la maison de Pharaon, Pharaon se retrouve enrichi. Joseph vit dans la gloire. Joseph vit de la gauche de l'Éternel, là où il y a la gloire et la richesse. Il vit tellement la gloire qu'il peut appeler toute une nation à venir rejoindre l'Égypte. Qu'il peut appeler toute une famille à venir jouir de sa gloire. Parce qu'il n'était pas seulement riche, mais il avait aussi la gloire. Si tu veux bien gouverner, apprends à travailler avec les deux mains. La deuxième main, c'est la main droite. La Bible déclare que dans sa main droite, il y a une longue vie. La longue vie, c'est la longévité. Parce que Joseph a travaillé avec la main gauche lorsqu'il est passé, et sa richesse et sa gloire a été oubliée. Mais les gens qui ont travaillé avec les deux mains de l'Éternel, même après leur mort, le Seigneur a fait de sorte que dans la mémoire des gens, que ça soit marqué à vie, de sorte que personne ne pouvait pas les ignorer. Joseph a la capacité de vous épargner de la mort, mais il ne peut pas vous ressusciter. Joseph a la capacité de vous épargner de la mort, mais il ne peut pas vous ressusciter. Parce qu'il n'a qu'une main, la gloire et la richesse. Mais je prie ce soir que tu ne sois pas seulement de la race de Joseph dans ta façon de prier et de t'imposer, mais que tu sois de la race d'Élisée, ceux qui ont la capacité de nourrir, de faire épargner de la mort, mais même aussi de donner vie à ceux qui sont morts. La Bible déclare qu'alors qu'on était en train de partir avec les morts, les morts étaient morts, et aussi Élisée était mort. La Bible déclare une chose, dis à ton voisin, l'éclairé n'est pas le problème, prête l'oreille au prédicateur. Le problème, ce n'est pas le mort, le problème, c'est celui qui est à le tombeau. J'aimerais dire à une personne ce soir que la personne qui était morte ne savait pas que ce jour-là, elle allait rencontrer un miracle, et la personne qui allait causer son miracle n'allait pas être vivante.
La Bible déclare une chose. Ces jours-là, en Israël, on partait enterrer. Lorsqu'on partait enterrer, il y avait aussi, dans les cas adverses, les hommes qui venaient pour attaquer Israël. Mais il s'est fait une chose que, de l'autre côté, il y avait une personne qui n'avait pas seulement l'onction sur lui physiquement, mais qui avait aussi l'onction sur lui dans ses yeux. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël ont vu cette personne, ont vu les hommes venir, les attaquer, ils ont pris les morts et l'ont jeté. Et lorsqu'ils l'ont jeté, le mort s'est roulé encore, et parti toucher les ossements de l'homme qui a l'onction dans les os. La personne a délisé. C'est lui qui a la capacité de donner vie lorsqu'il a vie. Et c'est lui qui a la capacité de donner la vie lorsqu'il est mort. Élisée a travaillé avec les deux mains de l'Éternel. La capacité de donner la solution a dû dire aux hommes, l'année où l'on a délevé, demain à la même heure, vous allez payer des choses à vu le prix. La main gauche de l'Éternel, la richesse de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Mais après aussi, il y a la main droite qui accompagne Élisée. Cette main avait la capacité que cette personne monte sur un enfant et l'enfant pouvait revenir à la vie. Quelqu'un peut dire, Élisée a la capacité de ressusciter les gens que lorsqu'il est vivant. Que trompe-toi, même les ossements d'Élisée ont la capacité de faire revivre quelqu'un. Je viens prier, dire au Seigneur, que l'onction de ce soir fasse ressusciter tous ceux qui étaient morts dans ta vie au nom de Jésus. Que l'onction de ce soir fasse ressusciter tous ceux qui étaient morts dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu de l'Éternel soit sur toi ce soir. Agir avec le demain. Pas seulement agir avec la gloire et la richesse. Une gloire et une richesse qui n'est pas associée à la longévité sera oubliée. Des autres que même tes enfants seront oubliés. Des autres que même les choses que tu as eu à faire, à accomplir seront oubliées. Même lorsque tu travailles avec la longévité de l'Éternel, personne, même s'il avait la bonne volonté, cette personne n'oubliera pas. Je suis en train de prier que le Seigneur Dieu impose sa main droite dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Impose sa main droite dans tout ce que tu es en train de faire. Impose sa main droite dans tout ce que tu es en train de faire et de réaliser. Au nom tout puissant de Jésus. La dernière des choses, il faut savoir manipuler les atmosphères lorsque tu sens que ton trône est menacé. C'est ce qu'a fait Ézéchias. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 38 dans le verset 5. Lorsqu'on a amené la nouvelle de la mort à Ézéchias, il est rentré dans la maison de l'Éternel. Il a dit à Dieu que le Seigneur puisse changer la donne. Et le Seigneur l'a accordé 15 ans. Ma prière est levée de mon cœur par la prière que tu vas faire ce soir. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse t'accorder des ajouts au nom du puissant de Jésus. Par la prière que tu vas faire ce soir, que le Seigneur t'accorde des ajouts au nom du puissant de Jésus. Lorsque tu vas sentir que ton trône est menacé, que le Seigneur t'accorde. Oh la la déconstance à la baïa sur ton réveil, à ta famille sur ton trône, au nom du puissant de Jésus. Je suis en train de prier avec quelqu'un. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, peu importe le menace, Seigneur, peu importe le problème, Seigneur, peu importe le cas, Seigneur, peu importe les ennemis, Abba Père, donne-moi à m'imposer. Qui est en train de prier?
soir. Que la couronne te localise ce soir. Que toi qui avais perdu la couronne, que toi qui avais perdu de l'éclat, toi qui avais perdu l'option, que la vache fatale.